Ah là là, quel plaisir, on lance enfin les vlogs sur la chaîne Mathis et Gauthier, ça fait 2 ans qu'on en parle. Mais ça fait 2 ans qu'on a lancé le premier épisode du vlog, qu'on vous conseille d'aller voir, c'était le premier mois avant le lancement de Fleur. On avait fait tous les préparatifs, etc. Aujourd'hui, on a décidé de lâcher la caméra, lâcher la grosse caméra, on est passé à l'iPhone et on a filmé notre quotidien. Là, le vlog que vous êtes en train de voir, c'est 2 mois de conneries, de condensés, de voyages. Vous allez vraiment kiffer, il s'est passé que des dingueries. Le but, c'est qu'à partir de maintenant, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, on vous sorte un vlog avec les avancées. On déménage et on change d'entrepôt dans 1 semaine, donc il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir être montrées. On espère vraiment que le format va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous le dire en commentaire ou de nous dire ce qu'on pourrait changer, de liker la vidéo, de vous abonner. Et on va vous laisser avec le gâteau parce qu'aujourd'hui, on est le 7 mars 2024 et ça fait pile poil 2 ans que Fleup a été lancé. C'est parti. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Ça va être long. Ça va être long. Ça va être long. Ça va être très long. C'est pas grave, c'est le début du vlog. Début du vlog, on est le 7 mars 2024, au moment où le vlog sort. Ça fait 2 ans, c'est les 2 ans de Fleup. Incroyable. 2 ans après la première vidéo lancement. Les gars, les applaudissements là. On va chanter, on va chanter. On va chanter. 10 000 PC vendus. T'es pas pressé, hein. Ah bah enfin. Merci. Le travail d'équipe. Combien de PC vendus, Mathis? 12. 14 plus 16. 16 000. 16 000. 16 000 PC, tous montés par Clément. Hein, Clément? Bien sûr, bien sûr. Bon, voilà, c'est dur. Attends, mais crame pas le. Bon, qui va en morceau? C'est quoi ça? Non, franchement, ça range. Lenny, le discours, Lenny. Le discours, le discours, le discours. Il y a 7 ans de ça, quand j'ai commencé la chaîne YouTube avec Gauthier. Non mais t'as rien. Ah, c'est le début du vlog, vas-y. Ah, c'est le début du vlog. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog de Fleup. On commence avec la célébration des 2 ans de l'entreprise. C'est incroyable. Au début, on était 5, dont 3 en mi-temps. Et regardez ce qu'on est devenu. Allez, lance le vlog, lance le vlog. T'as dit quoi, toi? Je m'en vais. Tu vas où? Et je vais en France. Allez, en France. Je retourne dans mon pays. Aujourd'hui, c'est raclette. Aujourd'hui, c'est raclette. Mama. T'aimes bien la raclette? Bah ouais, mais je vais pas pouvoir. Oh là là. Mathis, raclette. Raclette, raclette en famille. On est 27 aujourd'hui. Coucou, tchou, tchou. Coucou, tchou, tchou. Tu manges quoi, toi? Une raclette? Ouais, bien sûr. Tu manges quoi, toi? Une raclette, une raclette. Bonne raclette. Raclette. Voilà. Voilà. Mais attends, balance son assiette. Ça fait la file, regardez-moi ça, ça fait la file. Ça va, t'es malade, t'as le Covid? Ouais, un petit peu, mais... Le flunch. C'est comment en France? C'est le flunch. Là, c'est le flunch. Le flunch de chez Flunch. Le flunch up. Le flouch. Les restos du cœur. Le flunch up. Les restos du cœur. Maman. Les gourmands ici. Bon, bref. Bah, Clément. Clément, il était en congé. Même les gens en congé, ils viennent manger chez Fleup pour la bonne ambiance, pour la bonne humeur. Bonne la raclette. Oh, ben, regarde-moi ça, frérot. Forcément, c'est bon. Oh là 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 là. Le fromage de Belgique, il est bien, hein, ou pas? Bien sûr. Ouais. Mais bon, la France. Est-ce qu'il est mieux en France? Tu me vires sinon ou pas? Non. T'es en congé, t'es en congé, je peux rien faire. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Je peux même pas te parler, moi. La France est mieux. La France est normal. Là, il y a une raclette. Raclette, les gars. Hein, un petit live raclette en souvenir du bon vieux temps. Ceux qui connaissent le live raclette de la chaîne Mathis et Gauthier, c'est des bons. J'étais là. Ça, c'est vraiment des bons. J'étais sur le live raclette et aujourd'hui, je prépare la raclette. Faites comme moi. Ça, c'est beau. C'est quoi? C'est un mac and cheese. C'est un vrai mac and cheese. Il n'y a rien de plus dedans. Juste des patates et du fromage. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est une raclette française. Le monde veut savoir. Chers amis, on continue le vlog. Aujourd'hui, on est mercredi. On démarre l'année avec un conteneur entier à décharger. Le débit sous la pluie belge. Le débit. Voilà, plus ou moins 50 palettes. On doit charger les boîtiers un par un. C'est ça, on décharge les conteneurs. Combien par mois? Un par un. Là, on en a eu un la semaine dernière, un cette semaine. Heureusement, ça avance. Donc, ils arrivent sans palettes et il faut les faire à la main un par un. Donc voilà, c'est aussi ça la vie. Et fait d'avoir une entreprise. Et boîtier par boîtier. Heureusement, les prix sont bons. Mais par contre, il faut les décharger un par un. Ça va? Ça fait 1h30 qu'on est dessus, sous la pluie, dans l'ambiance, c'est la bonne humeur. On a l'année rangée, les gars. Félicitations, félicitations, jeune homme. Félicitations, félicitations, félicitations. Magnifique, dernière rangée, 12 mètres de long. Ça va le faire. C'est bon, c'est fini. Dernier boîtier. Boîtier. Ouais, tu m'entends? 900 boîtiers, c'est fait. Raphaël, dis, t'es pas dans ton habitacle, hein, là? Pardon, excusez-moi, excusez-moi, pas trop. Qu'est-ce que tu fais au studio là? J'attends mon café. Hein. Vous voulez un café aussi? Ah oui, je veux bien. Vélo. Ah, il fait semblant de travailler. Oui. Regarde-moi ça.
C'est à toi. Je pense qu'il est vraiment cool. Ah, il a bien fait semblant. Inception. Jarod qui monte le vlog de cette vidéo, de ce vlog, de ce... Tu bandes ? Moi, je vais me faire attraper comme ça à chaque fois. Attrape-toi. Attrape-moi. Attrape-toi. Attends. Bon, les amis, nous sommes quelques jours avant 2024, parce que 2024, c'est une nouvelle résolution, une nouvelle année. Explique qu'on doit faire une vidéo. On doit faire une vidéo. Et que la graphique, elle est où ? En tout cas, elle n'est pas encore arrivée, donc ça fait partie de nos galères. Parfois, on commande des produits pour des vidéos qui n'arrivent pas, et comme on n'a pas une deuxième roue, une roue de secours, et ben on est dans la merde. Ouais, moi je suis roux, mais... Ça tombe sur le roux. Hein. Ça tombe sur le roux, ouais. Ouais, c'est très moche, hein. C'est très très moche, hein. On va aller voir ce qui se passe là. Si on était prêt à... C'est pas extra la non plus, mais... Ouais, si on était prêt à faire autant, alors on... Ça va, les amis? Vous faites quoi, là? On fait une petite discussion privée. Je dois pas tout filmer. Normalement, là, tu peux pas filmer. C'est une discussion privée, salariale, un truc très sérieux, tu vois. Ouais, c'est totalement confidentiel. Non, Gauthier, pas toi. On est en train de restructurer l'équipe et on n'a pas trouvé ta place pour moi. Parce que tu vois, à la base, le vlog, c'est drôle, le mec. Ah, vas-y, c'est bon. Vas-y, je retourne dans mon habitacle. Le mec, il dit salag. Il a un Ryzen 9 7950X 3D. Non, il n'est pas 3D, ça n'existe pas. Il a une RTX 4090. Ah, attends. Et la RTX 4090, il faut le dire. Hein. Tu le dis ou pas? De quoi? Ah, les artefacts. Ah, la carte graphique AliExpress, qui est juste là, c'est la carte AliExpress. Elle commence à fatiguer. Alors, fatigue. Ça fait quoi? 3 ans? Enfin, 3 ans. 3 mois? 3 mois, elle fatigue. 3 mois? 3, 4 mois, ouais. Elle fatigue. AliExpress, c'est pas si bien. Bah, du coup, pour la garantie, on a voulu la renvoyer déjà de base parce que ça coûtait très cher. Au moins, on peut dire qu'on l'a testée. Hein. Ah, bah là, celui-là qui dit qu'on l'a pas testée, je comprends pas parce qu'elle est là et elle bouge pas. Elle est presque morte, hein. Elle est presque morte. Et bah oui, tu m'étonnes, t'as qu'une barrette d'allumée aussi. Bah ouais, mais ça, j'en sais rien. Ça, c'est... Bah oui. Corsair, je les aime, hein, mais leur logiciel, ça va pas. Hein. Toujours le même PC par terre, on en prend soin. Pas du tout. Si, ça va, il est un peu poussiéreux, mais ça va. Du coup, on en conclut que monter sur Mac, c'est mieux. Bah, oh. Franchement. Étrangement. Pour le travail, les gars, on va pas se mentir. C'est vrai que Windows et Adobe, c'est quand même pas terrible parfois. Bah, c'est juste t'as un seul software avec pas beaucoup de config à optimiser. C'est plus simple que. Ah, c'est comme les jeux et les consoles. Ouais, c'est bon, on verra ce qu'on en fait. Peut-être gagner. Pourquoi pas. Combien de likes sur ce vlog on fait gagner ton PC? Oula. Bah, oula. Si tu m'en rachètes un avant, ça me va déjà. Allez, combien de likes? Combien de likes sur ce vlog? Allez, 10 000. 30 000. Combien? 30 000, moi j'ai dit. 30 000? 10 000? Allez, 10 000, il a dit Gauthier. 10 000, vas-y. 10 000, hein? 10 000. Serre la main devant la caméra. 10 000. Avec les artefacts, hein, les gens se débrouillent. Ah oui, bah après, attends, on l'offre en état, mais c'est offert, c'est cadeau. On va voilà. Pas se plaindre non plus, tu vois. Vas-y, 10 000. Il marche, hein, mais. 10 000. Ouais, 10 000. Ça me va. Je vais annoncer ça, Mathis. Attends. Vas-y. Attends, parce que là, il a signé, c'est trop tard, il a ouvert sa gueule. Une discussion très sérieuse. Ouais, bah il va mourir de sérieux dans pas longtemps. On va faire une discussion très sérieuse. On peut pas travailler ici. Comment ça, on peut pas travailler? J'ai fait un petit pari avec Jarod. Quoi? Pour ce vlog, s'il y a 10 000 likes, ouais. Ça me paraît beaucoup, hein, tu vois. 10 000 likes? 10 000 likes. Moi je pariais sur une vidéo. Moi je pariais sur une vidéo à 20-30 000 vues. Et comme on fait 10% de likes, j'aurais dit genre 2-3 000 likes. Voilà, à 10 000 likes, c'est ce qu'on fait? Attends. C'est une vidéo Mathis et Gauthier ou French Hour? Mathis et Gauthier. Mathis et Gauthier. À 10 000 likes sur Mathis et Gauthier, c'est chaud. Non? Est-ce qu'on va le dire? Est-ce qu'on va le dire? C'est très chaud. Je pense pas. Non, je pense pas. À 10 000 likes, on fait gagner le PC de montage de Jarod. Quoi? Parce que 10 000 likes. Il en veut un nouveau. Putain, tu vraiment. Lui, il a tous les moyens pour nous faire. Attends, je me fais engueuler alors que celui-là qui va voir sa gueule, il est là, hein. Il est juste là. J'ai rien gagné dans l'état. T'as déjà la meilleure config, comment tu veux qu'on fasse plus? 4090 super peut-être. Ok, 10 000 likes, vas-y on offre le PC. Alors ça dépend, vous l'offrez avec ou sans les bugs? Avec les problèmes de... Ah bah, il y a une 4090, hein. C'est quand même un PC à 6 000 euros, hein, on dit sans délai. 10 000 likes sur le vlog, ouais, parce que ça veut dire qu'on peut au moins 100 000. Ouais, vas-y. Allez. Moi je suis. Je tiens ma parole. Allez, c'est parti. A savoir que Jarod, il est en stress là. Pourquoi? Parce que s'il y a 10 000 likes, on te paye pas pour cette vidéo. Ah bon? Non, je rigole. Non, en vrai, c'est une machine de guerre. On dit ça, on se plaint, mais c'est une machine de guerre. Non, mais ça tourne. Mais pour du montage, il faut de la stabilité. Et les RAM, le problème, c'est qu'il y a 64 gigas. On peut le donner avec 32. Et le problème, c'est que 64 gigas, qui sont peut-être pas la même fréquence aussi. Donc, ouais, ça bancal, marche pas le truc. Forcément. Voilà. Bon, moi, je vais rester sur mon Mac. Moi aussi, je prends mon Mac. Hein. La honte. Regarde, la honte. Regarde mon Mac, juste là. La honte. Mais de toute façon, si jamais je donne celui-là, c'est un Mac Studio, on est d'accord. Hein? Hein? Frère, on est fleu, pas Apple. Comment ça? Voilà, moi tous les jours je vois. Il dit ça, mais regardez avec quoi il travaille. Montre avec quoi il travaille. Un Mac. Parce que pour le travail, on va pas se mentir, quand on part souvent en déplacement, ben c'est quand même. Moi, j'ai un Mac que parce que j'ai l'iPhone en fait, ils ont tout niqué. Non mais voilà. AirDrop, voilà. Non mais voilà, faut le dire. Quand tu travailles sur un ordi portable, y a que Apple, ils font des trucs corrects. Mais c'est ça, l'écosystème est quand même sympa, même si j'adore les PC et que j'ai un PC chez moi. Moi aussi. Une belle machine qui tourne CSGO à 500 FPS.
Voilà, la chaussure est chargée, tout est rentré. C'est bon les gars, le setup en entier, on a tout. On a les périphériques, la chaussure, on l'a stabilisée plus ou moins une petite place en dessous. Il y a la chaise qui rentre. Et le bureau. Le bureau, les deux écrans et le deuxième tout PC. Tout passe, Mathis. Ça passe tout juste, ça passe exactement. Tout juste. Donc là, dans la vidéo d'Inox Tag, on va offrir la chaussure, on va faire le concours Instagram. Là, c'est pour Insta. Et ça, c'est pour une autre vidéo, vous verrez après qu'on va faire avec lui. Et donc là, elle va pas bouger et elle est magnifique. Franchement, c'est cool, on va à Paris pour une fois, on fait deux projets d'un coup, on avance bien. Il reste de la route, on va pas arriver en retard, allons-y. C'est parti. Oh, on rigole, hein, Mathis. Arrête, vas-y gros, tu fais pas d'efforts, tu mets un malaise. On va y arriver. Les gars, faut qu'on vous explique un truc. Ça fait déjà 10 minutes qu'on essaye de faire un vlog. En fait, pour nous, le vlog, c'est vraiment pas facile. Les vidéos YouTube qu'on fait, c'est tout l'inverse d'un vlog. On essaye d'être concis. Quand on déballe un produit, on fait un maximum de cuts. On regarde 5 fois la vidéo pour enlever tout le surplus qui sert à rien. Genre, par exemple, là, ce que je vous explique, si c'était une vidéo YouTube, on aurait retiré. Ça aurait servi à rien. Et donc, en gros, là, il faut qu'on s'entraîne à réussir à juste vous parler et vous expliquer ce qu'on fait. Ça va y arriver. On va y arriver. Tu vois, par exemple, ça va y arriver, c'est pas français. Voilà, mais on va le laisser. On va le laisser. C'est ça que c'est beau. Merci, Jarod. Voilà, en gros, Gauthier, rapidement, comment est-ce qu'on est arrivé dans la voiture? Toujours pas. Comment est-ce qu'on est arrivé? Pourquoi est-ce qu'on va chez Inox? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, on a vu la vidéo, j'espère que vous l'avez vu quand même. On avait fait un PC exceptionnel, on avait fait un PC végétal, ouais, mur, qui a fait beaucoup de bruit et tout, très sympa. Tout le monde nous en a parlé. Ouais, tout le monde, dans la rue, notre famille, ton cousin, même ton chien t'en a parlé. Je pense que c'est la vidéo où vraiment il y a le plus de gens qui nous en ont parlé. D'ailleurs, merci. On n'a jamais dit merci parce qu'on fait jamais de vlog, du coup on n'a pas le temps de dire merci parce que si on disait merci dans une vidéo, on aurait retiré. Bye. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Épisode 2. On avait dit dans sa vidéo qu'à 500 000 likes, je pense. Non, peut-être pas 500 000, un peu moins. De nouveau, j'aurais retiré. Mais en tout cas, un certain nombre de likes, on offrait un PC encore plus incroyable. Alors, est-ce qu'il est encore plus incroyable? Ah, franchement. Il est vraiment bien. Voilà. Parce que si vous suivez la chaîne YouTube, vous connaissez la chaussure, vous savez où on va et tout. Mais il y a quand même, faut dire que là, on va faire le concours avec Inox et que pas beaucoup de gens connaissent la chaussure. Donc, quand tu vois pour la première fois la sneakers, tu pètes ton crâne. Mais c'est ça, tu te dis pourquoi il y a une chaussure? Est-ce que c'est un PC? Donc là, on espère que ça va faire du bruit, on espère que ça va lui plaire. Mais voilà, il n'y a pas, on va dire, il y a pas de water cooling custom, mais c'est très original et nous, on aime beaucoup. De toute façon, c'est cool. Hein. Donc, une sneaker, ça offrir et puis tout le reste du setup, qui est là derrière. La sneaker, on la voit pas. Mais là, on a deux écrans. Ça, c'est pour le petit setup qu'on veut offrir dans écrans, sa vidéo. Un PC, un bureau, une chaise gamer et tout, une périphérique. Et là, de nouveau, le but, c'était pas de faire un PC, un setup à 10 000 euros, 20 000 euros. C'était de montrer ce qu'on savait faire en full white, parce que ce sera un setup full white, tout en dépassant. Tout en dépassant pas des budgets astronomiques. Ouais, c'est ça. Et on va garder. Voilà, on va garder. On la garde. Donc on est parti. C'est ça. On a rendez-vous normalement vers midi. On est un peu en retard. On arrivera vers midi et demi. Mais au moins, on va faire le petit tournage. On va à Webedia d'abord. Et à mon avis, après, on ira directement chez le gars. Chez l'abonné. À qui on offre le setup. Donc c'est cool. Venez avec nous. On va bien s'amuser. Et merci à tous. Belle journée. Pourquoi merci? Ça continue. Ça continue. C'est bon, on est à Paris. On arrive dans 5 minutes. Regardez-moi cette belle France, Mathis. On aime la France. Les gens qui traversent au rouge. Allez, le Maquiton, allez. C'est parti. C'est un petit appel. Hop, regarde ce qu'on fait avec les appels. Allez, c'est bon. On est occupé. Moi, je comprends pourquoi on n'habite pas à Paris, franchement. Tout le monde nous a déjà dit, ouais, pourquoi vous n'allez pas à Paris et tout, Bruxelles, c'est un peu loin. En 3 heures en voiture, on y est, on n'a pas de problème. Et quand tu vois la circulation et tout ici, franchement, c'est un délire. Après, on aime bien la France. Ouais, vive la France. Bon, là, on arrive dans quoi? On arrive dans 4 minutes, Webedia. On va aller voir la réaction. J'espère que ça va le plaire. En vrai, j'ai un peu peur. Ouais, je vois pas pourquoi ça lui plaît. Mais c'est pas aussi grand, tu vois, pas aussi extravagant que le mur. Mais bon, c'est pas l'objectif. Ça va lui plaire, je suis sûr. T'es sûr? Confiant, Mathis? Je suis sûr. Enfin, Webedia, on est presque à Webedia. On a quand même deux setups et tout, franchement. C'est eux qui nous ont demandé en plus, hein. C'est eux qui nous ont dit. Donc, attention, Mathis, les piétons. C'est notre travail de filmer que Mathis m'a dit. C'est notre travail de filmer. Allez, le vlogueur. Allez, ah, Webedia, voilà, regardez Webedia. Bon, on connaît. Ça fait plaisir, on a rendez-vous devant le parking. Allez, y a qui? Ah, y a Jamy! Y a Jamy? Non, y a pas Jamy. Est-ce que Jamy est chez Webedia? Regardez-moi, c'est quand même un beau bâtiment. Ça, y a un truc qu'on laisse aux Français, c'est Webedia. Le jour où Flow Up, ça ressemblera à ça. Franchement. Ben voilà, Jamy, hein. Ouais, on parlait justement de Jamy. Il est là, Mathieu. C'est ça, Mathieu est là, regardez Mathieu. Allez, super. C'est parti. On va aller se garer dans le parking de Webedia, les refs, comme à la maison. Comme papa et maman. Juste à côté de la voiture de Michou. Hop, juste. Je suis aux jantes, hein, Mathis. T'inquiète, je gère. À chaque fois que je viens à Paris, je frotte les jantes. Ça passe, Mathis. Oh là là, regardez-moi ce. Putain, ce grand messire. À chaque fois qu'on vient à Paris, on frotte les jantes. Il est connu ce parking. Là, ça passe. Ouh là là, attention. T'as de la place à droite, hein. Ouais. Ah ouais, t'as de la place. T'as de la place. Allez, grand messire. Paris. Et voilà, on est dans le parking de Webedia. On peut se garer où on veut. On est dans la place 19. Bon, c'était juste incroyable. On vient
tout juste de sortir de Webedia, mais c'est pas fini. Parce que là, on va déposer le setup maintenant à l'abonné. C'est ça. On n'a pas filmé à Webedia parce qu'on voulait vous garder la surprise pour la vidéo, parce qu'on savait pas quand ça sortira. Mais là, maintenant, on va déposer le setup avec Inox. Et là, par contre, je pense que là-bas, on va essayer de filmer. C'est une galère de filmer. C'est une galère, hein. Ah, c'est une galère. Hein. C'est une galère. Bah là, si vous voulez savoir ce qu'on est en train de faire, les amis, on est en train de faire un tout nouveau setup. Il est beau. Pour le frérot qui va arriver. On va lui faire une petite surprise. Ça va être incroyable. Il faudra aller voir sa chaîne d'Inox. C'est ça pour la réaction. En tout cas, regardez, setup white, chaise white. C'est ça. Double écran. C'est une surprise de fou qu'on est en train de lui faire. Tout le setup est prêt. Il avait un setup éclaté au sol. Bah super, pas gentil. S'il a la PS5, c'était bien quand même. Ouais, ouais, c'est bien. Ah ouais, non. Mais, il avait un setup éclaté au sol. Et là, il en a un vrai. Voilà, un vrai. La double écran, le PC gamer ici. Le Siberia. Le Siberia. Noir et blanc, comme le reste du setup. Logitech. Les périphériques, Rocket. On a toutes les marques. Voilà, ouais, franchement, petit mélange de marques et tout, mais franchement. Les petites govilles au mur et derrière le bureau. Comme quoi, il faut pas prendre qu'une marque. Il a quel âge? 11 ans. Ouais. Franchement, pour 11 ans, je trouve que son setup, il est carré dans l'axe. Oh, hein, sincèrement. Mon dream d'avoir ça à 11 ans. Voilà. Et si vous voulez voir sa réaction, il arrive dans quelques minutes. Donc, allez sur la chaîne d'Inox, il a sorti la vidéo. Donc, voilà. C'est quoi, c'est le 24? C'est le 23, quasiment. 23, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais, toi, Jaron? Hein? Je suis en train de monter les reels de Inox. Inox, comment ça, Inox? Le c'est qui Inox? De la sneaker. Ah, c'est peut-être le titre de cette vidéo en fait. Et d'ailleurs, il est peut-être déjà en cours. Regardez. Alors, pour ceux qui demandent, est-ce qu'il faut faire du montage pour une vidéo de 30 secondes? Même pas. 24 secondes. 24 secondes. Ouais, est-ce que tu vas faire du montage? Un peu de sous-titres, 2-3 animations sympas, manière de rendre ça un peu plus dynamique. C'est ça. Et on n'oublie pas l'écran Porsche. Grâce à ça, il est meilleur. Ah, d'ailleurs, pour montrer comme quoi on ne ment pas, il a un pixel mort, juste ici. Voilà. Pixel mort sur l'écran Porsche à 3 500 €. Non, un peu moins, je crois. 17, non? Enfin, c'est déjà trop cher de toute façon. Ouais, ça. Bon, allez. Les amis, on continue nos aventures. Comme vous pouvez voir, après avoir déchargé un conteneur, après avoir offert un PC à Inox Tag, aujourd'hui nous avons un invité, un TikToker de renom, Ludotech, qui est là. Tu casses tout. Voilà, c'est ça. Non, Ludotech qui a fait une vidéo avec nous sur la chaîne Mathis et Gauthier. C'est ça. Qui sortira bientôt, où il a fait son propre PC Flup collab Ludotech. C'est ça. T'en es content? Très content. Ça va sortir donc. En plus, ils m'ont complètement obéi, ils m'ont laissé tout faire, c'est nickel. C'est ça, on a laissé faire Ludo les benches. D'ailleurs, les benches Ludo. Ah, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Il y a la connexion qui est merdique ici. Même pas la fibre. C'est vrai qu'il faut le dire, en Belgique, on a une connexion merde, hein, Jarod. C'est pourri. C'est pourri, on n'a pas la fibre. Ouais, c'est inadmissible ça. On va aller vivre chez Ludo. C'est ça, venez dans le sud de la France. C'est ça. À Montpellier. Hein? Je vois votre réaction. Il a fait les benches Ludo. On parlait d'en dessous. T'as mis quoi comme processeur? Je travaille, t'as mis. Oh, la lumière est carrément mieux. Qu'est-ce qu'il y a, genre, vas-y, dis devant la caméra, il se passe quoi. Voilà, Mathis, qu'est-ce qu'il y a, vas-y. Dis, donne ta rage. Explique, exprime-toi. Ça lag. Voilà, exprime-toi, plus. Casse l'écran. Casse l'écran. Et toi, salaud, tu m'as affiché sur Twitter. Jarod, mais quel est ce boîtier exceptionnel? Ah ouais, je vais peut-être devoir du coup flouter, parce que ça sortira avant. Ouais. Ah, il y a... là c'est flou, là il voit pas. Ah, c'est flou. C'est flou. Pourquoi c'est flou? C'est flou. Ouais, c'est la 6780 XT. Hein? Ouais. Ah, d'accord. Non, ça c'est la petite table de bench, notre magnifique table de bench qu'on a jamais montré en vidéo. Pourquoi on a jamais montré en vidéo? Il a essayé de l'allumer par là. Quoi? De quoi? T'as fait quoi? Il a essayé de l'allumer en appuyant là. Filme. Un problème qu'on n'avait pas prévu, on n'avait plus de colson pour faire le cam management. Ryan. Regardez-moi ça. Ouvre la bouche. Allez, à l'atelier. Les colsons, les cercables, pas les colsons. Les colsons, c'est en Belgique. On est en Belgique, on sent. Oh. Les surflex. Mettez en commentaire si les c'est colson. Circonflex. Mettez en commentaire si c'est colson, cercable ou serflex. Serflex, colson, cercable. Colson. Ah non, colson. 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 Il a pas changé pour le mec. Beaucoup, hein. Ça fait beaucoup de PC là. Ouais, ça fait beaucoup de PC là. Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup là, non? Il y en a un peu beaucoup. Allez les gars, bon montage. Au métier, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, explique. On a fait une vidéo AliExpress, sauf qu'ils ont annulé, ils ont refusé la commande de l'alimentation. Je dois en trouver une autre, c'est une catastrophe. Donc on cherche une alimentation. Y'a rien, c'est de la merde. L'onglet. On en parle du référencement sur AliExpress, je mets alimentation PC. Je me retrouve avec un bouton power et un sèche-cheveux. Bon, c'est pas un sèche-cheveux, mais. On est occupé. Non, je suis pas bien là. Non. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ah, c'est gênant. Non. Non, arrête. Non. C'est pas pour toi.
Ouais, voilà, on est dans la merde. On est dans la merde. Bah, du coup, on va prendre. Montre ce qu'on prend. Parce qu'on essaye de faire les choses bien. Montre sur Amazon, celle qu'on a vue. Parce que du coup, c'est pas vraiment du Express. Mais on a vu la Cougar. C'est ça, la Cougar, parce qu'on adore les Cougars. C'est des bonnes alimes. Chef. Demande que vous aviez faite pour un terrain de stockage en plus. Oh oui, Liner Max. Je pense qu'on va prendre ça. C'est de la merde. Oula, si c'est bien, tu vas te faire ta dent, toi. C'est de la merde. C'est de la merde. Bah, c'est les seuls Liner Max qu'on a commandé, elles ont explosé. Il y en a plusieurs qui ont cramé chez nous. C'était un plaisir, ça sentait bon. Qu'est-ce qu'il y a? Aïe. Ça va? Oh, il y a le connecteur. Bah, c'est bon. Parfait. Les amis, c'est les dernières séquences avant la fin de ce vlog impérial. Je pense que le vlog sera enfin les deux semaines seront... Ah, pas français. Ah, putain, c'est la fin de la deuxième semaine. Il m'a mis un coup dans les burnes. Bah oui, mais je pense qu'avec le peu de matière qu'on aura, on va condenser ça en une semaine. Par contre, toi, de la matière, t'en as. C'est quand même la fin. C'est la fin. La fin de ce vlog, il a dit. Mais oui. Mais c'est pas la fin de ce vlog. Mais si. Mais non. Et si. La fin, c'est quand on part, on prend l'avion. Le nouveau vlog, il commence dès qu'on part en avion. Moi, je t'ai dit, on a pas trop de matière. Ça fait déjà 2 semaines, on va mettre 3 semaines. Tu sais que là on est en train de faire de la matière. Je suis en train de faire des plans là, je rigole en plus. Non, allez, sérieusement. Il est exactement, regardez, 21h06 heure locale, le 5 janvier. Nous partons demain, le 6 janvier, au CES à Las Vegas pour le salon des technologies. Ah, c'est tard là. Et l'autre qui fait ses plans à contre-jour. Mais gros, t'es à contre-jour. Allez, je fais les plans pour l'aider, il arrive quand même à m'engueuler. Donc on doit partir, donc exactement. Là, je fais les plans. Dans 10 heures. Donc les lampes sont là, tu vois, les énormes lampes. Et regardez ce qu'il fait Mathis, il est à contre-jour. Allez, vous... les gars, je fais les plans pour t'aider pour qu'on puisse passer la vidéo. Gauthier, il fait rien lui. Bah, je filme. Ah ouais, je crée du contenu. Allez, fais des plans. Attends, regarde, viens voir. Je vais faire ce qu'on appelle un travelling, t'es prêt? Mate-moi le plan. Travelling de Mathis. Attends, tu mates là? Ouais. Avec le sound effect. Jared, il fait quoi? Le montage de cette vidéo. Ouais, avec un ordi qui lag. Regarde, tu veux voir? Regarde. Allez. Je fais un cut. Regarde. Attends. Il arrête pas de râler! Il arrête pas de râler. Les gars, est-ce que tous les Français râlent autant que Jared? Mais non, les Français. Ça lag! Oh, le arrête. Ça va devenir un. Comment dire? Un running gag. À chaque fois que j'ai Jared! Chaque séquence où Jared râle. Running gag, ça lag. Allez, on refait. Ah, il a rien. Jared! Tu peux pas faire mes plans tranquilles sans qu'on me dérange. Je veux dire, on se fait pas dans la lumière qu'on a typé les plans, moi ça fait des choses en luminosité. Allez, t'as vu, il râle de nouveau. Et on part dans exactement 10 heures, on prend l'avion, direction Amsterdam, pour aller direction Las Vegas. Fais-nous une transition, Mathis, et hop, quand on reprend, on sera à l'aéroport. Transition, Mathis, à l'aéroport. Et oui, les amis, nous sommes à l'aéroport, nous partons à Las Vegas. Exactement, regardez-moi ça, notre avion est là. Là. Oh. Hein? Moi je vais dormir. T'as pas beaucoup dormi depuis hier, hein? Non. Ouh! Putain, j'avais oublié à quoi ça ressemblait. Oui! De retour? United States of America. Donald. Skagaman. Comment ça va, le G? Allez. On est arrivé à Las Vegas, les gars. Allez. On est dans GTA 6. En GTA 6, c'est où? En vrai, tu dirais pas que t'es à tous US. Sauf quand la même. Route. Sauf la route. Les voitures, les routes. Si, quand même. Mais il fait froid, Non, il y a exactement en vrai la même température que chez nous. 10 degrés. C'est vrai qu'on vient à Las Vegas. Quand même la voiture de police. Oui, bon, j'avoue, de la voiture de police. J'avoue, voilà. La plaque d'égout, j'avoue. Quand même, oui, je suis en plaque d'égout. La référence des US, la plaque d'égout, les gars. Ah, mais du coup, faut appeler un Uber. C'est vrai que ça fait très GTA le parking là. Faut appeler un Uber. Ah, mais c'est ici, Uber, c'est chez eux. C'est à eux, ça. Comment ça? Attention. Ouais, c'est vrai que on a attendu combien de temps à la douane là? 2 heures, je crois. Une heure et demie. Non, 2 heures. C'est hyper long. Hyper long pour pas grand chose. C'est hyper long, ouais. Oui. Ouais. Ouais. Oh, les amis, c'est magnifique. On montre. Regarde ça. Attends. La sphère, elle est là. Elle est où? Là. La sphère, tu vas voir. Mais attendez, parce qu'on a une conférence de presse. Elle est où? On la voit pas, merde. On a une conférence de presse dans 2 jours dans la sphère. Vous allez voir. Ah, ça va être incroyable. On veut vous la montrer parce que. On va se faire des conneries. Hein. Dans l'avion, on la voyait tellement bien. C'était impressionnant de loin, tu voyais un gros truc bleu illuminé. Ouais, le nombre de Tesla, on est reparti, allez, super. Allez. J'adore, ça double à droite, à gauche. La sphère, elle est là-bas. C'est magnifique. On la voit. Mais c'est incroyable. De toute façon, on va vous faire des plans intérieurs, extérieurs. Même toutes les montagnes qu'il y a autour et tout, c'est trop stylé. On se croit à Grenoble. En vrai, ils ont quand même des montagnes assez hautes. Hein. Je sais pas. C'est plat, c'est proche. Moi qui viens de Haute-Savoie, mon collègue il m'a dit qu'il n'y a pas de montagne là-bas. Aux US, bah si, un peu quand même. La sphère. La sphère. Pour le coup. Elle est un peu cachée. Hein. Mais là, l'animation est nulle.
Des fois, il y a des belles animations. Ouais. On verra ce qu'ils mettent pour ça. Notamment le concert de YouTube. De quoi? Le concert de YouTube. Ah, je connais pas. YouTube, non. C'était une méga, ça, c'est un groupe hyper connu. C'était le premier concept dans la soirée. Ah, mais j'ai vu des vidéos de musique, non. J'ai rien du tout. Oh. Why you upset like Cinderella teens? You should see the things I fit inside these denim jeans. I can't associate with y'all, this shit like ketamine. Been on one, been on two, been on everything. Bitch, I'm with my gang, with my squad, what the fuck you want? So be rolling gas, I can't hang, bitch, I'm fucking gone. I got people down from the jump, better know your bonds. I got people just tuning in and the love is strong. Petit, explique. On est au 28ème étage, soit le dernier étage de l'hôtel. Donc il y a moyen qu'on ait une vue. Jet Luxury, mon meuf. La Jet Luxury, on a vu la Jet Luxury. Faut expliquer le contexte. À chaque fois qu'on réserve des hôtels, il y a toujours des couilles. L'année dernière, l'hôtel c'était chambre fumeur. Le 31 décembre, on a payé 500 euros la nuit. On était dans une chambre fumeur qui pue la mort. Et surtout, on avait réservé 2 semaines avant de venir au CES. Là, on a réservé 2 mois. Donc normalement, j'espère. Donc là, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'on n'a jamais eu aussi bien. Et Taïwan, on avait eu quoi? Pas de fenêtre. En vrai, ça va. Pas de fenêtre, mais l'hôtel était bien. Oh, bien. C'est mauvais. Imagine, c'est pourri. Non. C'est quoi ce bazar? Attends. Je peux faire mes pâtes au ketchup. Pas mal. Il y a un petit salon. Oh, c'est bien. Ça va? Moi, ça me dérange pas. Il faut ouvrir les stores. Attends, les stores. C'est le grand moment. C'est le grand moment. Oh, il y a une petite tablette. Ça, c'est le grand moment. Sur la tablette. Oh, tu peux commander à Gras, Isou. Ah, oui. Ah, oui. Ouais, ça va coûter 500 dollars pour un repas. C'est octobre. C'est juste un bouton. Ouais, je pense 125 euros. Ah, oui. Quoi? Montre. Attends. Ah, ouais, j'ai pas pris. Ah, le petit déjeuner, c'est combien? Pourquoi t'as pas pris le petit déj? Parce qu'on mange jamais. Ah, oui, c'est quand même cher. C'est surtout parce qu'on mange jamais. Parce que c'est cher. Avant, ça va essayer à 14 euros. Bon, comment on ouvre? Avec la vue, j'ai trop, je suis trop excité. Ah, moi j'ai vu. Non. Ah, j'ai vu. On voit un peu. Attends. C'est pas ça. Attends, slip. Oh là là. Oh là là. Quoi? Attends, je veux votre réaction. En vrai, elle est magnifique. Il y a pas. Allez, il y a le téléphone. Ça soupe comment? Là-bas. C'est vrai qu'on est bien séparés entre Jared et nous. Ouais. T'as ton petit salon. Ah. Non. Down, c'est pas ça? Hop. Oh putain. Et encore un autre truc en dessous. Allez, casse les couilles. Wesh. Oh, la baignoire, elle est trop bien. Non. Oh, on a pas été voir. Nick, elle est trop bien. Ça. Wesh. Tu vois, ça devient les couilles. Oh, le wing. Oh, ça a changé l'année dernière. Hein. Putain, l'année dernière, on avait une douche. Oh, mais c'est mouillé, c'est mouillé. Oh, ça rase. Bon, donc Jared va se doucher, on pourra prendre un bain en même temps. Ah, oh, ouais. Quoi? Oh, c'est bizarre, ça. C'est bizarre. Bon, comment on ouvre cette putain de vidéo là? Attends, parce que la douche c'est dans un hôtel, les gars. Ah, y'a deux télés. Oh, ouais, on peut regarder deux trucs à la fois. Je pense qu'on a pété. Oh, la sphère, on la voit en plus. Non! Oh, attends, non, ouvre. Ne regardez pas. Ouvre. Non, vraiment, Oh oui! Regarde. Attends, viens voir. Oh, la vue de baiser! Oh! On a un tour de belle! Oh, la vue de baiser! C'est ça, c'est oh, la vue de baiser! Oui! C'est magnifique! Ah ouais, là la vue elle est. On a la sphère. Ah, Sartre avec la vue quoi. Allez. Wow, merci la tour Eiffel. Merci le CES. Ah oui, non, stylé. Oh putain, stylé. Oh ah, il a vu, c'est un vrai bail. Et les gars. Moi, vraiment là. C'est bien ou pas? Ah non, Sartre. C'est bien ou pas? Ah non, là, c'est moi qui choisis. Moi je check. Je check Gauthier. Parce que Gauthier, d'habitude, il galère. Et là, il a géré. Pour le prix. Il y a full reflet. Putain, pour une fois qu'on a un vrai truc quoi. Parce qu'à chaque fois, on retourne, c'est ça le problème. C'est juste qu'on s'y prend mal. Ça va se faire péter le gars. Burger. On peut pas arriver aux États-Unis et pas manger un burger. On a pris loco, on a pris quoi, Jared? Putain, je sais même plus le nom. Le attends. Double. C'est le. Atta. The double decker. 3,50, 3 double burgers. 3 épis. 3 épis, burger. Allez, c'est parti. My big burger. Premier burger au States, 3 étages. Mama. On va sans. Fin du repas, il reste la moitié. On va sans. La suite. Bon, Baptiste, on rentre. Il y avait plus de Morito et je savais pas comment c'était les O's, tu vois, OZ là. Boire avec modération l'alcool. Ah, il y avait des petites et des grandes, j'ai dit 3 grandes bières. En fait, vu qu'on est belge, on s'est dit on va prendre des bières. Prends-la dans les mains. Prends-la dans les mains, Baptiste.
à l'américaine. C'est la coupe du monde. C'est 1 litre 7. Ça rend tellement bien. Gros, vas-y, 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 vas-y. À boire avec modération. C'est pas. Logique. Oh le dieu, putain. Pas de tenue. Pourquoi j'aimerais avoir un ami comme ça, ouais. Si ça c'est 1,7. Le problème c'est qu'il y en a 3. Si c'est 1,7 litres, on est dans la merde. Ah oui, parce que c'est combien t'as dit? 60 euros, j'ai raison en tête, ça veut dire 1,7 litres. C'est beaucoup 1,7 litres. Ah. Ouais, c'était juste une petite bière hein, qu'on voulait. Si on paye une carte, elle a des raisons. Oh non, c'est... Il y a rien qui va, on est fatigué, on va boire 2 litres de bière. Vas-y, bois un peu. Petite pipette, mais une gâte, mon chat. Hein. Allez ma biche. Allez ma biche, allez, 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 allez ma biche, allez ma biche. À fond, colle à fond, colle à fond. Pas mal, pas mal. Gros, j'ai pris 10, j'ai pris... Pour moi. Et toi, bois le portugais là. Si c'est 1,7 litres. Elle est houblonnée. Hein. C'est un combat. Hein. Un combat contre quoi? Contre soi-même. Hein. J'en ai bien ça. Je le garantis, il y aura un d'avant après. C'est ligne à la plateforme pour de Europe Sockets. I just can't always clock the pace, been falling off for days, can't wait to take my chances and tornado. Bon les gars, on s'est réveillé. Ça va Jarod? Tranquille. Ça va Baptiste? On s'est réveillé à 8h ce matin. Hier la bière de 1 litre à 18h nous a mis mal. On est à 20h, on dormait tous. Mais là aujourd'hui on est chaud, on va commencer par un gros déjeuner à l'américaine. C'est ça, ici ils font tout en grand, c'est-à-dire on a pris un double expresso, ça va être une marmite. Moi j'ai l'habitude de boire ça, je suis impatient de voir leur double expresso. Ah ça, Jarod, il a faim, on a faim. En vrai on a sous-estimé avec le décalage et tout, c'est galère. Hein. Moi je me suis endormi à quelle heure? Toi parce qu'ils ont vu le plan de toute façon. De toute façon, vous avez vu, hein, j'ai bien dormi 20h et Mathis s'est endormi à 23. 23. Et à 4h du matin, je pétais la forme. Du coup, je les ai réveillés. J'ai secoué le lit. Voilà, et on a trouvé où aller manger. Franchement, ambiance américaine, on va voir les plats. Ça a l'air à moitié bon et à moitié dégueulasse. Let's go. Bon, les gars, tout est en grand à Las Vegas sur le café. Le double espresso, c'est un double espresso. Quoi. Et moi, il s'en bat les couilles. Il me l'a déposé comme ça, il s'en bat les couilles. Mais tu sais, pas de cuillère. Moi je mange avec du sucre, je le bois avec du sucre. Les gars, regardez-moi cette assiette de champion de vainqueur. Wow. Est-ce que c'est comme l'année dernière? Est-ce que c'est de la sauce barbecue ou leur truc au raisin là? Les gars, regardez, petit tour rapide, on a ça, c'est du pain français, voilà. Hein, bien entendu. Et voilà. Là, c'est on a pas de la sauce barbecue. Une petite orange, une petite sauce quoi, Jarod? C'est pas du barbecue, c'est au raisin un peu fouiné. La patate, les œufs brouillés et des petits bacon. C'est un déjeuner gros. De groupe. Et les Américains ils mangent ça le matin à 8h et puis ils remangent à midi deux fois plus gros. Ah c'est dégueulasse leur sauce. C'est une sorte de confiture sausage. Il faut savoir que c'est un repas comme ça, c'est 100 fois mieux que des céréales. Ouais. À part que tu manges des cornflakes ou des fruits de la mer. C'est quand même gigadose. Hein. Mmh. Oh ça met bien. Oh ça met bien. Bon appétit. Bon appétit. Eh hey Mathis, plutôt DDR5 ou DDR4? Moi la DDR6 elle vient de sortir, je suis trop fan. Jarod, Tesla. Ouais, t'as jamais demandé Jarod, t'as quoi comme PC toi? Moi, j'ai un vieux PC avec de la DDR4. Non, en vrai j'ai un i5 13000 et un 4070. La qualité de rec là. Est-ce qu'il y a une nouvelle Tesla? Super chargeur Tesla. Cybertruck. Ah ouais, oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit dans ce vlog les gars. On veut voir un Cybertruck. Notre mission de ce vlog numéro 2, c'est de trouver un Cybertruck. Ouais, c'est en vrai. Ça va pas être facile, hein. Je pense pas qu'il y en a plus. Je pense pas, ouais, c'est ça. C'est quand même rare. Mais si, on en a un, je veux voir. Et la sphère qui est juste là-bas, regardez. Mais ça, on a une conférence, donc vous allez voir dans ce vlog, dans la sphère, donc ça va être très stylé. Les amis, on est à Las Vegas. On va tenter l'activité avec les billets qui volent. Le but, c'est d'en choper un max et de tous les mettre dans la boîte. Et après, tu peux gagner des lots. C'est parti, les gars. Allez, Mathis. C'est parti. Allez, gros. Allez Mathis, allez gros. Ah oui, vas-y gros, vas-y Mathis, vas-y. Allez, descends. Allez gros, allez, encore, vas-y, t'en as plein. Non, ça sort, vas-y, 4, 3, allez gros. Oui. Don't drop it. Oh my god. Oh my
Il y en a encore dans... Oh non, il en fait tomber. Non. Allez, on va compter. Ça va vite? Ça rend comment? Tu comprends rien, t'as vu, t'en as dans la gueule et tout. C'était pas facile, je te jure, c'est pas facile. Parce que quand tu fais comme ça, ça monte tellement haut, ça va dans ta bouche. Mais fallait pas les drop, elle a dit. Ouais, j'ai rempli la boîte, hein, j'essaie de rentrer dans la boîte. Ah ouais, non, mais c'est bien, c'est bien. T'as pas pris l'essence. Ouais. Ah, mais je t'avoue, j'ai pas choisi. J'ai pas fait le truc. Ok, on a 2000, j'ai fait 2000 combien? 2900, presque 3000. Donc on a le droit à prendre soit un truc dans la première catégorie, soit quelqu'un refait. Et alors ça s'additionne et on peut peut-être prendre la deuxième en gars. Maintenant, on fout que les billets pour remplir le money gun. Et ça c'est moins marrant d'un coup. Thank you. Bye bye. Allez, les gars, montre. Bon, maintenant, faut plus que les billets pour le remplir. Ouais, on va le tester à l'hôtel, ça. Et ouais, les gars, c'est bon. On a été acheter des piles, on a ramené les lunettes. C'est ça, on fait des vidéos hardware toutes sérieuses, on explique la VRAM et les mégahertz. Et maintenant, on se retrouve avec un super money gun. C'est exceptionnel, regardez-moi ça. C'était pas facile à utiliser au début. Oh là 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 là. C'est des faux billets, c'est exceptionnel. Regardez-moi ce faux billet. Putain, c'est magnifique. Super gun. Ça, super gun. Ça, c'est le rêve américain, tu vois. Ça, c'est le rêve. En vrai, on n'est pas du tout comme ça dans la vraie vie, mais c'est drôle d'être dans le personnage, quoi. Oh, bah, putain, c'est Vegas, c'est Vegas. Mange. C'était un peu gênant, quoi. Transition billet. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Et c'est parti les gars, on continue les repas. Premier bon plat les gars. Regardez une salade César. Ça c'est même. Bon ça, ça c'est pas un burger. 5 fruits et légumes par jour les gars, c'est important. C'est important, et Jarod, c'est bon. Oh. C'est bon. Enfin un bon repas, enfin un bon repas. Regardez, on est directement à Trevi. Comment tu l'appelles, la fontaine? La fontaine de Trevi, on est comme en Italie. Comme en Italie. Voilà les amis, nous sommes à la boutique Stranger Things Netflix. Ils sont automatiques, tu peux broder dessus. Jarod, parle. Parle Jarod. Hein? Pourquoi tu me parles? On est où là Jarod? C'est un truc illégal. On est à la boutique Stranger Things. Là franchement, le merch c'est un peu éclaté. Hein. Le merch. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? Ils mettent le logo de la série. Ah là-bas au fond, regarde là-bas au fond, il y a le. J'ai même plus la série, bien sûr, c'est quand même une belle série. C'est une belle série. Oh là, ça c'est. Ah là, on peut rentrer un gros chat pour ta mère. Waouh. Ça va, on a pas de rôle. On aura plus de rôle. Bon, petite boutique sympa, mais bon, c'est du merch. Faut aimer la série, faut bien kiffer la série pour ça. Bon, allez. C'est un peu un truc de Yankee. On va pas se mentir, c'est un peu un truc de Yankee. Non, il faut aimer Stranger Things. En vrai, la série est cool. On n'est pas des addicts, des lovers finalement de cette série. Moi, cependant, nous sommes lovers d'autres séries comme Narcos par exemple. Moi, jamais je ferais de merch. French Harder, je trouve ça éclaté. Ah ouais? Ah, je trouve ça. Même pour tes employés? Non, plus le French Harder. Non mais. Allez. En plus pour le staff, oui. Mathis. Qu'est-ce que tu nous as pris? On a tenté un truc. On a fait les gros Yankees américains. On a pris du jus de cranberry, etc. pour la santé, vous vous savez bien. RJ. On n'a jamais goûté. Ça c'est le bar au chocolat. On a pris la plus petite. La marque de Mr Beast, on n'a pas trouvé. Ouais. Et puis la boisson Prime. Ça c'est la marque de Logan Paul et Casey Neistat, c'est ça? Non, je sais plus. KSI. C'est pas la même ambiance. Et ça, ah oui, c'est ça qui fait les vlogs à New York. On a déjà testé ça. Ça, c'est des shots. Mais ça, je prends ça. Des shots d'énergie. Attends, il y a combien de caféine? Ouais, non, 1 g de caféine. Je pense que ça, c'est un shot. Crevé sa mère. De fou furieux. Il y a pas marqué Nassine. Il y a de la vitamine déjà. Caféine 200 mg. C'est pas mal. Ça va. C'est pas mal. Il y a quoi d'autre de un peu state? State. En vrai, de state. Non, mais regardez, on montre. 15 balles, c'est de la viande. Là, si vous faites de la muscu, les gars, il y a la viande mieux. Séchée. C'est full protéine. Il y a pas de petits. Mais il y a pas de. Gros, j'avais pas vu les gigatables de chocolat chez. Vas-y, un test. Hein, si non, tu veux. J'ai pris une petite. C'est du chocolat. Hein. S'il y a pas trop de sucre, c'est bon. Il y a pas énormément de choses. Après, c'est un petit magasin, tu vois. Américain. T'as quand même les. Non, extravagante. Extravagante. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, il y a les fameuses bouteilles énormes de 2 litres. De grosses bouteilles. Faut voir ça. Alors c'est, ça, ouais, on c'est pas. Ibuprofène. Oh le prix, frère! Oh mec, il y a des somnifères. Ici, ils adorent les somnifères, c'est physique. Ici, le médicament. En fait, ils shotent au Monster toute la journée. Du coup, ils arrivent pas à dormir et ils prennent des somnifères. Attends, t'as vu le prix des médocs? On est quand même pas si mal, nous, en Europe. Hein. Putain. Ouais, en fait, on est tout con. Il y avait encore un sous-sol avec des gâteaux. Attends, mais il est énorme! What?
Attends, est-ce qu'on n'a pas compris là? Ah bah oui, ok, c'est le même combat. Ah oui, hein? C'est en bas du coup. En passant la rue, je l'avais vu. Je crois que c'était un autre. Ah. Et du coup, quoi? Bah on va voir s'ils ont d'autres, des produits en plus. Faut qu'on trouve les barres chocolatées là, de Mr. Beast. Mais si, ils vendent ça dans tout le. Ouah, 300 balles. Oh, regarde les belles bouteilles, venez, viens voir les bouteilles. Regarde les belles bouteilles, regarde le prix. Oui. Donc Pérignon, ça va, hein, 300. Ça, c'est l'Asie, Yasson. Franchement, ça va, hein, le prix. Ouais, 300. En boîte, c'est 500 balles minimum. T'as l'air renseigné. Oh, t'en as un peu, quand même. Jamais de la vie, moi, je mets 500 euros. Là-dedans. Hein? Hein? Ah, c'est un frigo? Hein? Tu vois? What? Ah oui, la chambre froide de. Ah oui! Ah, il fait froid là! Ah, parce que tu veux ta boisson bien fraîche, l'été. Ah, bah là, mon chacal, c'est bien frais. Parce qu'à savoir, à Las Vegas, 40 degrés. C'est pas, ils mettent pas ça dans des frigos, ils mettent ça dans les chambres froides direct. C'est des gros buveurs de bière. Mais des bières light, c'est ça qui me fout droit. De nouveau, ah ouais, l'alcool de l'abus n'est pas mon sens. On avait essayé ça l'année dernière, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. D'ailleurs, ça avait fait un gigadrama il y a quelques mois ou années, je sais plus. Je peux vous dire que c'est très bon. Les buds. Pourquoi? Je sais pas, par rapport à un truc avec l'orientation sexuelle des gens, je sais pas quoi. Pas politique sur la chaîne. Oui, non, inutile. Franchement, rien à faire, c'est de la bière. On va pas se prendre la tête pour de la bière. Alors, par contre, si tu veux du lait, frérot, du lait maternel directement, comme ça, les bam. T'as carrément les pilons. En vrai, tu vois, la bouffe, elle donne pas envie chez eux, genre. Ah ouais. Tu vois, ça donne. Dégueulasse. Ouais, il y a des trucs sympas, mais après le reste. D'orange. Par contre, tu vois, ouais, mais tu vois, ça me dérangerait pas d'acheter de cette taille-là. Oui, c'est que je sais que je le bois, tu vois. C'est combien? C'est même pas cher, ça. C'est pas cher. Ouais, non, c'est un truc chez nous, trop cher. Ouais, c'est vrai qu'il y a des trucs chez nous qui coûtent très cher. Hein. Vas-y, vas-y, prends un petit paquet, on va goûter. Venez, on prend le truc le plus américain. Ça, il y a chez nous, hein, du coup. Oui, il y en a au Deli. On prend une petite barquette. Non, allez, on le fait à fond. Non, on se prend une petite saucisse one, mon ref, comme ça. C'est pas drôle. Ça. Ah, si, ça peut être sympa. Ah, oui. Ah, oui. Ça, c'est trop, ça par contre, c'est un méga banger. Ça, il y a ça chez nous ou pas? Il y a un équivalent. Il y a l'équivalent, là, blanc. Ouais. Ça, ouais, ça, giga banger. Ça, on a déjà pris, non? On a pris ça hier, c'est magnifique. Alors, Prime. On va goûter. Prime, la boisson de youtubeur. Vitamine B. Logan Paul. Normalement, c'est full vitamine. C'est comme... mais c'est comme le Monster. C'est ah ouais Paul, le Red Bull. C'est full énergie, mais c'est pas pour autant que c'est bon pour la santé. C'est zéro sucre. Oh, mais ça, c'est pas grave, ça. C'est parce que c'est du faux. Oui. C'est de l'aspartame. J'arrive jamais à dire ce mot-là. Aspartame. Toi non plus. Ouais. Allez, dis-nous tout. Je peux sentir déjà. Ça a goût ou ça a pas de goût? Alors là. Mais ça on n'a pas en Europe. Hein. Pas il me semble que c'est compliqué à avoir. Il y a RDM, hein. Ouais. Frère. Il kiffe là, Mathis. Allez, partage là. Ça goûte un truc trop bizarre, je sais pas vous dire le goût. C'est le médicament? Non, c'est... Par contre, il y a full sucre. Hein. Celui qui dit qu'il n'y a pas de sucre là-dedans... Non, c'est ce que je t'avais dit. La dernière fois que j'avais goûté une Pepsi sans sucre ici, t'as l'impression que c'est full sucré, mais ça ne l'est pas. Mais c'est... ils mettent la blinde. Ouais, ils mettent la blinde. Ouais, c'est le goût de bonbon, quoi. Tu vas voir? Faire que je goûte. Ouais, tu vas aimer, toi. Ça goûte le GM. Ah oui, ça, ouais, t'as l'impression que c'est des trucs sucrés. Putain, frère, il y a la sphère en fond. Pourquoi on ne fait pas la dégustation là? Et ouais, c'est une boisson quoi. La dégustation de merde. Ah ouais, non, mais les c'est mecs n'ont pas d'avis. Venez, on se met contre la fenêtre, non? En fait, j'arrive pas déjà à savoir s'il y a un peu de pétillant ou pas. Ça fait un goût un peu piquant. Absolument aucun pétillant. Bah écoute, goûte et essaie de sentir au fond de ta gorge. Pas un problème. C'est pas naturel. Ouais, c'est une boisson bizarre. Bah, c'est très ricain quoi, du coup. Tu peux goûter un peu? T'as vu? Et ça, c'est tropical. Il y a un goût trop chelou. En fait, j'arrive pas à dire ce que c'est. J'ai l'impression de boire. Comment ça s'appelle là, les trucs dans les sachets un peu style. Ça fait une gueule un peu aluminium là. Les petites boissons en rectangle. Truc souple. En fait, tu sens qui coûte une couille, ouais, et tu mets une paille dedans là. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu un capricum sucré, genre bien plus sucré. Ça coûte une couille le capricum? Ah oui, ça coûte une couille. Hein? Dégustation suivante. Ouais. Franchement, ça passe pas. Ça coûte pas, tu vois. Somme tout basique. Franchement, c'est refusé. Qu'est-ce que tu nous as pris là, Mathis? Oh, c'est dégueulasse. Ah! Chocolat Hershey's. Vous connaissez Hershey's, c'est les plus gros concurrents à Mr. Beast là. Enfin, c'est eux qui sont sur le marché. Ah oui, les tacles à chaque fois. La tablette de chocolat. Special Dark. Ok, aux amandes. Ça, moi, je vous le laisse. J'aime pas les amandes dans le chocolat. Pas dans le chocolat, non. Mon chocolat, c'est naturel. Naturel. Pas trop sucré. Ça, c'est ouais, vraiment bon. Pas trop sucré. Fais voir la boîte, faire le truc, du coup. Il dit pas trop sucré, on va voir. Non, c'est pas trop. Tu vas aimer, Gérard. Bah, je vais goûter quand même. Bah, il y a quand même 36% de sucre ajouté. Ça va. Ah, c'est bon. Attends, je vais en prendre un petit morceau. Ouais, c'est du chocolat, quoi. Ça passe bien, quoi. Du chocolat. Alors, ça, par contre. Oh non. Non. Ah, genre. Bah oui, mais. Ah non, c'est bon, ça s'est jamais sur le plastique. On dit nickel. Ça, c'est quoi? Non, pas ça. Ça, non, ça, j'ai envie de voir. Ça, je sais pas. Il y en a plein, c'est vendu en Europe. L'odeur. J'ai jamais goûté de moi non plus. J'en ai vu au Deli, mais ça coûte très cher. Je suis sûr, l'odeur est horrible. Ça s'appelle quoi? Pour moi, c'est biche, non? Donc, chez Joe King, c'est la même marque qu'en Europe.
C'est full protéine par contre. Ouais, ouais. C'est vraiment. Quand tu fais de la muscu, ça, c'est parfait. C'est pas l'odeur, genre un peu bouffe pour chien. Ouais. C'est ça qui me dégoûte, moi. Est-ce qu'on m'a dit c'est difficile à mâcher? Alors, c'est difficile à ouvrir. Déjà, ouais. Premièrement. C'est difficile à manger, à sentir. C'est vrai qu'attends. Il y a quand même un. Ouais, l'odeur. Il y a quand même la sphère qui fait un petit Tetris là-bas. Alors, ouais, l'odeur, c'est quoi? Tu vas voir, ça fait sentir. Je peux sentir. Ça sent le bifi. Tu vois les saucisses. Non, c'est quoi? Ouais, bifi. Non, ça va. Ouais, mais c'est quand même, il y a un côté. Ouais, ça sent super bon. Ah, tu. Ah, t'as croqué là? Après, hein? Le chocolat, c'est bizarre. Hein. Alors, c'est vrai que le mélange chocolat. Ça va être un bordel dans le bide. Amande prime, ça va bien chier ce soir. Très bon. Très bon? Tu vois, je goûte l'autre côté. Ah! Arrête, bon. Ah non! Pas si bon. Ah, pas si bon. Ah, c'est quand même bizarre. Ah, c'est quand même un peu bizarre. Ça me fait penser à un truc. Un bouffe pour chien. Non. Ah non, ouais, c'est. Pas c'est du pas bacon? Bon. Non. Non. Non, pas du bacon. Non, pas le bacon. Ah. Ah non, l'arrière-goût. Ah ouais? Non. Moi, t'as un goût dans la bouche dégueulasse. Oh! Allez, après le chocolat, c'est. En fait, pendant que tu mâches, c'est bon. Après, ça goûte. C'est un peu poudreux, non? Putain, mais. Ouais. Ah, mais non! Ça me fait penser, tu vois, la viande là. Oui, il y a pas une. Pas la viande, le truc de grison. Comment t'appelles non, ça? Non, alors, parce que je saurais pas dire ce que c'est. Mais en France, t'as un truc, c'est du top budget. C'est des ronds là, de bacon. Et bien, ça a le même goût. Viande de grison. Je mettrai l'image. Par contre, c'est à la fin, c'est bizarre. Pourquoi ils mangent ça, les gens? Chocolat? Top 1. Attends, moi, je suis désolé. Ouais, mais c'est pas bien. Désolé, mais moi, là, il y a un truc qui me donne envie. Il est où? Red Bull, là. Il est où? Je peux la goûter, celle-là, tiens, s'il te plaît. Vas-y. Oh. Ça, c'est Red Bull qu'on n'a pas chez nous, je pense. Ah, c'est spécial? Ouais. Pire cinnamon. Donc, c'est cannelle, normalement. Mais pire cinnamon, c'est quoi cannelle? Moi et mon anglais, on vous dira oui. C'est la poire. Je peux? Ouais, bah oui. Pas bon. Non. En tout cas. Très bon. Tu veux que je goûte? Attends, vas-y, goûte si tu veux. Ça fait après, faut que tu finisses ce que t'as dans la c'est bouche. C'est goût cidre, comme ça. Tu vois, un peu pomme. Très bon. Ah, c'est pas pomme, c'est poire. Ah, ça goûte la poire. C'est super. Vas-y, regoute. Putain, ça goûte la poire. Ça goûte pas du tout le Red Bull. Ça, c'est trompeur, ça. Tu vois les gâteaux pomme cannelle. Bah là, c'est poire cannelle. En vrai, c'est bon. Mais Jarod. Ah, bah franchement, poire cannelle. Vraiment, quand je bois ça, je vois une assiette. De poire coupée en petits morceaux avec de la cannelle posée. Et là, tu vois quoi dans ta main? De la bouffe pour chien. Et c'est fini, Alex. Mathis, c'est peut-être un chien, du coup. À quoi d'autre? Oh, l'odeur. Ah, c'est bon. C'est pas du. Tu goûtes pas le Red Bull, quoi. C'est trompe l'œil. Ah, ça va. C'est pas incroyable. Ça goûte la poire. Ouais. Ouais, ça a le goût de poire. Ah, on a fini. Poire avec du Perrier, quoi. On a fini. On n'a pas acheté tellement, en fait. Non. Non. Il nous reste un truc. Il y a l'eau et trop vite. Cranberry. Ah, vas-y. Ouais, ça, c'est connu, allez. Hein. On va arrêter là, nous. Ouais, c'est connu, non. Regarde la transi. Tu veux pas tester ça? Mathis. Wow. Ah oui, quand même. On est à la sphère. Bon, par contre, what, c'est quoi 2,3 milliards de dollars? C'est un peu déconné. Ah, c'est what, très déconné. Mais par contre, c'est incroyable. Par contre, c'est pixelisé quand t'es tout près. Ouais, ouais, bah de toute façon, on les voit. Un point lumineux, on vous remettra le chiffre, c'est énorme. Si je zoome dedans, on le voit. Oh, après, c'est très stylé. On voit fort les points quand même. T'en viens, on avance. Hein. Ah ouais. Mais c'est très américain, quoi. Ouais, il y a que pour faire ça. Hein. En fait, de loin, ça vient super bien. De près, bon. Mais c'est vrai que t'as ça en Europe parce que la consommation, c'est quoi? C'est 7 terrains de foot. C'est 20 000 foyers. 20 000 foyers. Français, t'as je crois, vous avez dit un truc comme ça. Peu importe, les gens pètent un câble, je pense. Bah, comment c'est possible? C'est sûr qu'écologiquement parlant et tout ce qui va avec, c'est pas faux. Je pense que c'est là-bas. On est à Las Vegas. Et ça va très bien pour Las Vegas. Ah oui. Le reste de la ville, on va dire, c'est extravagant. C'est limite. C'est voilà. J'ai envie de voir l'intérieur parce qu'il y a l'extérieur. Ah oui. Et l'intérieur. Mais on va y aller. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Il a dit 19h. Pourquoi tu me filmes? J'aime pas être filmé. Sublime. Les plans sont sublimes. J'aime pas être filmé. Moi, j'adore ça. Les gars, l'intérieur, on en parle. C'est magnifique. Ah, t'as pris des chewing-gums, tu m'en avais pas donné. Incroyable. Il en restait un dans le sachet que t'avais envoyé dans le lit. Salaud. Incroyable, regarde. La sphère. Ah ouais. Ah non, non. Elle est là pour l'instant. On la voit un peu. Et t'as vu comme on voit les pixels, regarde. On voit ta mère aussi.
wish. A land molded into a multitude of shapes and forms. And multiplied until the few became many. And marched. Whoa. Evolving, adapting, inventing. C'est les V2, c'est les V2, c'est pas non, les V1. Non, les V1, hein. Je les V1 dans ma chambre. Lèche. Le plan mais vas-y, déconne pas. Oui, monsieur, c'est les V2, non, j'ai les V1 validés par Booba. Les gars, c'était incroyable. Sincèrement, c'est exceptionnel. Au moment où l'écran s'étend sur la totalité de l'espace, c'est-à-dire en haut, en bas, sur les côtés. Après, t'as raison, le milieu. Tu comprends plus rien à ta vie. Franchement, nous, on était en plein milieu, c'était magnifique. Ça fait un peu cher. Ça consomme beaucoup. 150 euros pour le pas écologique. Oui, 150 euros la place. Heureusement, on l'a pas payé. Merci Samsung. Mais franchement, après, c'était incroyable. L'immersion, il y avait même une petite araignée. Non. Je sais pas si tu l'as eu. La musique. T'as aussi du vent. T'as aussi du vent. Comment on peut appeler ça? Projecteurs de vent, de l'air. Par contre, ils font un peu de bruit et ça te casse un peu l'immersion. Ouais. Parce que tu l'entends, mais ça pourrait limite passer pour de la pluie. J'ai envie de dire, c'est encore un truc différent du casque VR et encore différent de l'écran QHD, enfin 21 de VR. Ouais. C'est encore différent. C'est ça, mais en 10 fois mieux. Ah, c'est littéralement. C'est mieux que la VR. L'éléphant. Ah oui. T'as un truc qui va te marcher dessus. Je l'ai. C'est un truc de malade. En fait, t'as peur, t'as des vraies émotions. Bah, tu sais pas regarder par contre, ça va. Les feux d'artifice, t'étais waouh, tu suivais de partout. Ça tu vois, quand il y avait les singes, ça va en haut. Ah oui, t'en avais un au-dessus. Tu t'amuses, tu regardes un peu à gauche, un peu à droite. Tu peux vivre plusieurs fois la même expérience juste en regardant à différents endroits. C'est incroyable. Plusieurs plans différents partout, mais c'est incroyable. Je l'ai su. J'ai adoré. T'as kiffé? Je l'ai su quand même pas. Ah, t'as non, c'était vraiment bien, franchement. Après, ouais, y a quand même le truc, comme tu dis, avec les effets parfois qui cassent un peu l'immersion. Bah, ça a corrigé et le milieu un peu trop répétitif. Ah ouais, moi j'ai kiffé juste vu que j'étais pas au centre comme Mathis et Gauthier, j'étais un peu en extrémité et que c'est courbé. Les lignes, tout ce qui est lignes humaines, les bâtiments, bah c'est tout courbé. Ça fait une petite diagonale courbée. C'est vraiment genre. Ah oui, tout à gauche, non, ça sert. Quelqu'un qui est en extrémité de la scène, de toute façon il y aura des plans où vous pourrez voir. C'est assez compliqué quoi. C'est franchement pour 150 balles si t'es pas au centre, ça fait chier. Mathis, explique-toi. Ah ouais, les gars. Ce pays, c'est un truc de malade. On voit que les pâtes, elles coûtent 30 euros. Du coup, on se dit, on va commander 2-3 plats et tout pour voir. Regardez-moi ces plats de pâtes. Il y a au moins 2 kilos de pâtes. C'est énorme. Attends, il se passe quoi là? On se rend pas compte, il y a au moins. Les gars. Il y a facile 2 kilos de pâtes. Mets ta main à côté, mets ta main à côté. Il y a 2 kilos de pâtes, regarde. C'est pas une assiette, ouais. Regarde. C'est énorme, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bien sûr, avec un grand ciel bleu à 22h40. Parce qu'on est à Vegas, c'est logique. C'est incroyable. Ça,
ça c'est du jeu mon gars. Ça, ça c'est bien. Ça c'est pas du pipi de mono hein. Il y a des jets, ils montent. Ça monte à combien tu penses? Parce que là on était à un bon 30 mètres non? Les jets là-bas. Attends, on peut voir. Attends, j'ai envie de voir quand ça monte. Wesh, ça va haut hein. Incroyable cette session casino. Moi quand je pisse ça fait la même chose. Quoi? Comment ça? Quand je pisse, il y a le même jet. C'est parti les gars, petite activité de type comment t'appelles ça, machine? Je sais pas, un salle d'arcade, salon de jeu. Déjà là, c'est quoi le but en fait? C'est de mettre la balle. Tu vas mettre pas trop fort. Et tu vois pour faire un moment, mais si tu vas trop fort, tu perds tout. On va mettre la balle là, super bonheur. Tu vas mettre ça. Allez, faut quand? Vas-y, vas-y. Ah merde, faut déjà repayer. Non. C'est pas bon. Ah, c'est bon, je vais. Attends. Fais pas trop fort. Encore fort. Hurry up. Oh, presque 70. 50. Vas-y, le G. C'est super dur. Vas-y. Et 2-1. Non. Allez, gros. Vas-y. Oh là là. Oh le carnage. Ah ouais. Allez, encore. Oh. Ouais, vas-y. Ah non, vas-y, encore. Allez, vas-y, lâche pas. Oh, fini. C'est pas facile d'être basketteur. Hein. Ah bon, avoir la taille, mais on a pas la technique. Hein. Le shark. Le shark. On le montre. Il est là. Juste là. Incroyable. C'est la version finale de Cooler Master. Filme mes pieds. Gauthier qui boit un petit Moscow Mule, gingembre. C'est du jus de citron, c'est tout. C'est tout bleu. Non, en vrai, le shark, magnifique. À savoir qu'il est plus petit que le prototype que nous avons vu et que vous avez vu sur TikTok. À savoir que c'est du mini TX. Et à savoir que on peut mettre des i9. Le plus beau produit et le plus beau PC que j'ai jamais vu de toute ma vie et de ma réalité. Regarde, mets-toi à côté. Il se met pas à côté. Mets-toi à côté. Il est quand même grand. On s'en rend compte maintenant, mais c'est quand même costaud. Ben voilà. Petit i9 avec radiateur amélioré de 120 mm, mais bien plus épais, ce qui fait que le i9 peut rentrer. Un ventilateur au-dessus et la carafique est derrière, on ne la voit pas. Mais c'est un produit de luxe qui va coûter sans doute un certain budget, mais là on peut voir déjà la config. Il y a un petit i7-14700KF. Non, c'est très sympathique. Moi personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le dans les commentaires si vous voulez. Mais je serais bien du style à vouloir craquer pour ce genre de produit, mais c'est un budget donc à voir. Mais ce sera commercialisé soon. Dis Baptiste, qu'est-ce que t'en penses? Regardez-moi cette vue, les gars. Magnifique. Elle est incroyable. C'est la soirée Cooler Master. Cocktail à volonté et la vue elle est magnifique. Il y a un peu de reflet mais c'est sublime. On est en dehors du style, on a vu sur tous les immeubles, c'est incroyable. Là ça va. Ouais, allez. Attends, combien t'as gagné Gauthier? Combien t'as gagné? Allez! Combien il a gagné ce con? 100$! Et non, parce que c'est dans le vide.
Attends, nous sommes au Luxor, c'est un hôtel. C'est la pyramide. Pyramide. On va voir l'intérieur pour la première fois. Ah oui, sur le côté, sur le droit. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Oh non. Ah oui. C'est, ouais. C'est une pyramide. Regarde la réception. Wesh, ouais, c'est dans son jeu. C'est très beau. Et en gros, t'as les chambres autour. Non. Si, t'as les chambres l'année prochaine. Attends, ça veut dire que les chambres à l'intérieur, les fenêtres, elles sont comment? À l'extérieur, à travers les vitres. En diagonale, quoi. C'est pas mal. Ouais, comme ça. Ah ouais. On a montré combien d'hôtels dans ce vlog? Je sais pas, je sais pas. Mais celui-là il est vachement sympa. En tout cas, savoir qu'à Las Vegas, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a plein d'hôtels très originaux. Il y a quoi? Il y a la Luxor, Excalibur. En vrai, il y a quoi d'autre? César Palace. César Palace. Ouais. Après, chaque hôtel a son thème un peu. C'est ça, hein. Ah, celui-là, c'est quand même visuellement celui-là qui est le plus simple mais qui impressionne le plus. À l'intérieur, elle fait ses pyramides. C'est le hasard. Putain, ça donne envie de se mettre tout en haut et de cracher. Bon, comme d'hab, pardon. Cracher. Chef? Un petit. C'est vrai que là. Et là, il arrive dans ta gueule. Bam, bah, c'est vrai que là, le mec au-dessus, là, il fait ce qu'il veut. Ah, parce que regarde, en fait, c'est des allées avec les chambres, là, j'ai fait. Ouais, c'est vrai. C'est sympa, hein. En vrai, c'est stressé, hein. Bon, comme d'hab, hein, par contre, hein, dans chaque hôtel. Il y a une pièce là-haut. On va monter. On monte. Allez, vas-y. Oh, ouais, sympa ici. Alors, faut savoir que les cocktails ici, c'est quoi? C'est 20$, hein. On fait un peu les rages, j'avoue. C'est quoi la bouteille d'eau? Là, on va faire les courses. Hier, on a demandé un verre d'eau, c'était 12$. Là, on va aller au supermarché après faire des courses. Ah oui, non, mais même le supermarché, les gars, c'est très cher. Faut se mettre ça dans la tête. Ah, oh, c'est sympa ça. Petit tonic. Breathe you like a cigarette. Love sick, I'm feeling it. You're not the one, but I still want you like that. Beat in my chest, love sick, I'm feeling it. I know you're not the one, but I still wanna light up. Bon, les gars, on voulait enfin vous l'annoncer. On est à Las Vegas. On a les 100 000 abonnés sur la chaîne, Mathis et Gauthier. 600 000 abonnés sur la chaîne French Hardware. Je me suis dit, aujourd'hui, c'est un grand jour. Bam! Voilà, il s'est fait un tatouage. FHDW. Ouais. Et de l'autre côté, attention, j'ai un petit lion. Non, c'est pas vrai. Non, voilà, je me suis dit quand même, on a fait pas mal de parcours ensemble. Fallait l'immortaliser sur mon corps, marquer mon corps en fer noir. FHDW, French Hardware, merci à toi. Après le tatouage, Mathis, qu'est-ce qu'il nous fait là? Eh ouais, les gars. Après le tatouage. La déposition, c'est pour le cul. Regardez, il y a son cul qui vibre. Oh là là, le twerker professionnel, frérot. Oh, il y a tout le corps qui transe, c'est comme ça. Mais moi, j'ai pas de cul. Et voilà, après s'être fait masser le cul, il se fait masser le haut du cou, frérot. Ouais. Dear Fuji. Les amis, nous continuons ce vlog. On est à Venise. On est à Venise, exactement. Parce qu'on est en couple, comme dit dans la FAQ finalement. Voilà, Las Vegas, t'as Venise. T'as un ciel Jarod. Artificiel. Est-ce que t'as envie de faire un petit tour en barque, Jarod? Oui, absolument. Ça t'a marins pêcheurs. T'as envie? C'est un de tes rêves? De faire un tour en barque à Venise? Absolument pas. T'as déjà été à Venise, toi? Non. Ah non, on est sur la barque. Je pense que Venise, c'est quand même un peu plus authentique qu'ici. Ouais, non, là c'est. C'est un peu. Ouais, bah c'est. C'est de la façade. Même l'eau, elle est belle. On va aller vérifier. Ah, l'eau, elle est pas vraie? Putain, il y a des pièges, j'ai envie de plonger et les ramasser. Quoi? Il y a un truc artificiel ici. Je confirme. C'est du placo. Ah oui, c'est pas des murs porteurs. C'est même ça? Non. Ah ouais, c'est du putain de placo, frère. C'est un délire, les gars. Tu sais que j'ai un coup de coude dedans, pas ça de faire. C'est ça. Avant, en plus. Ça, c'est du métal. Si je l'ai, ton téléphone, tu vas le chercher? Bah, les waterproof. C'est vrai? On essaye? Vas-y, On est avec Geekcom pour les mini PC et Mathis il nous a fait une dinguerie là. Regardez-moi ça, le verre de vin, monte le verre de vin. C'était pas fait exprès. Il a explosé le verre de vin. Il a explosé le verre de vin. Non non, c'est dans la tête. Ça va, t'as bu un verre, t'es déjà sous? Gambé. Gambé. La machine a pris un temps. Elle est trop bien sur la chaîne. Ouais. Allez. Allez. Non, non. Ouais, la truc. Elle est trop bien. Oh, go. J'adore, go. Tu vas tirer, Jarod? Bah non, je continue, elle est marrante. Et voilà, Mathis, on continue ce voyage. Shinlim, spectacle de magie. On ça, a adoré ça. Ça va la forme? Ça va être bien. Ils nous ont invités, ça fait très plaisir, franchement. On est hyper bien installés, on est tout devant. Ça va commencer, on va voir ce que ça donne.
Moi, je parie que Gauthier va monter sur scène, va nous faire un tour de magie en anglais magnifique. Vas-y. Magnifique, exceptionnel. On va filmer ça, vous inquiétez même pas. Vas-y. Alors, Mathis, les impressions? Incroyable. Moi aussi, j'ai envie de savoir faire ça, tu vois, avec mes mains comme ça. T'es un magicien. Moi, je vais faire un tour de magie. Alors, je donne les impressions. Hey, c'était incroyable, moi j'adore les tours de magie. J'adore les tours de magie, pour information, parmi mes premières vidéos que j'ai sorties sur YouTube, bah, j'ai présenté des tours de cartes, tu vois. Donc du coup, franchement, un une grosse méga claque. Et magicien. Non, magicien, c'est vrai qu'il y avait quelque chose. Bien accompagné là. C'est quelque chose, franchement. On faisait des sorties en fait tous les deux. Moi j'étais sur le cul à chaque fois, t'es en mode, mais comment il a fait, Mais en fait, bah, et après, le mec, il présente son truc, et en fait, finalement, il est tout derrière. Comment il sort la fumée de sa bouche? Ah bah, je sais pas, t'as qu'à lui demander. Je sais pas. Genre une capsule ou quoi, un truc qui casse dans sa bouche. Les amis, on continue ce vlog. On est bientôt sur la fin du voyage, malheureusement. Mais on a encore une petite activité après, Jarod. Ouais. Une activité intéressante. Mais là, nous allons tester le Gordon Ramsay Burger. À Skip, c'est pas trop cher. C'est pas trop cher et c'est bon. Ramsay, c'est un chef étoilé. On le présente. Très célèbre ici. On va voir si c'est bon ou si c'est pas trop cher. Voilà, sa gueule, vas-y. Voilà. 50 balles le burger, petit chenapan. Vénard. Petit vénard. Vénard. Et voilà les amis, on a reçu nos burgers. Ça a l'air bon hein. Gordon Ramsay. Alors Mathis, c'est lequel que t'as pris toi? Alors moi j'ai pris le farmhouse avec un œuf, du bacon, les petites frites de pâte à douce. Par contre, ils mettent du sucre dessus. Ça c'est un peu chelou. Ça c'est un peu bizarre hein. Vas-y, on goûte la frite. Ça va. Ah, et toi Jao, t'as pris quoi? Pareil que Mathis. Allez, moi j'ai pris un burger truffle, donc on a de la truffe, on a un peu comme eux mais avec de la truffe et de la salade. Voilà. 35 balles le burger. C'est dégueu. Goûte la sauce. Goûte la sauce. Ah, c'est à quoi? Au beurre? Ouais. C'est la sauce au beurre? Non, arrête. Non, c'est pas du beurre. Ouais, c'est trop bizarre. Goûte, ok. Allez, tiens ça. Tiens, filme et pied. Je sais pas dire ça quoi. Du lait concentré, je dirais. Ouais, non, mais il a raison, on dirait dans ce délire là. Hein. Je sais pas, c'est où de la crème un peu chelou. C'est du lait concentré. Bon, la bonne appart. Ouais, goûte. Alors, Jarod, ce burger 5 sur 10. 5 sur 10. Ouais, pas. Comment tu... Moi, le burger, je mets 8 ou 9 sur 10. Franchement, très bon. Ouais, moi, je mets un petit 7. En fait, c'est les frites. Les frites au sucre. Mauvaise idée. Juste, stop quoi. Les gars, on est belges. Ça va pas ça. Les frites au sucre. Après elles sont bonnes hein, les frites à la pâte à douce. Faut juste en prendre sans sucre quoi là. Parce que là t'as un peu une tête de frites toi. Oh, j'ai... T'as un corps de frites. Allez, on va tirer. Ouais. On va tirer. Ça rec. Ouais. Bon les gars, on devait le faire, l'activité de Las Vegas. You are nervous? Yes. No. Attends. On va y aller. You can film? Fume-moi. Yeah. Thank you. Ah c'est pas mal. Ah yes, it was really loud. Putain, le bruit. Ah oui c'est ça. Les gars, bien entendu, les armes c'est de la merde. C'est la pire. Non mais là c'est dans un cadre bien spécifique. Ludique et c'est ça. Ah c'est ouais. Ça tu peux le faire. Ça, ouais. C'est vraiment comme dans les films où tu tournes la manivelle et en fait ça fait tourner le barillet et ça tire. C'est les mitrailleuses à l'ancienne. Là-bas par terre. Oh, on a entendu le bruit avant d'allumer la caméra. Ça a fait un bruit. Guillaume qui est un très connaisseur. Bon hein. Guillaume dans la chaîne Guillaume Hardware. Qui est un grand connaisseur de tir. J'espère qu'il verra ce vlog. Allez, c'est parti. Première fois pour nous de toute notre vie. Allez, on va prendre ce qu'il faut et on y va. Ils sont en train de fermer leurs oreilles. Moi, j'essaye. Attends, je me recule, ça me fait peur. C'est un snipe, hein. Je pense que ça va aller hyper fort. Vas-y, en vrai j'ai peur. J'ai envie d'entendre pour de vrai. Ouais. Wesh. Oh, le son gros. C'est énorme. En vrai ça va, ça je pense, comme il y a la vitre, ça va. Filme le recul. Vas-y mec. Oh, you have a shoot gun? Sorry? You have a shoot? No, never. Never. First time. What hand? Right hand or left? Left. Lefty. Alrighty, gun. Finger off the trigger till you're ready. Right hand. Grab it good. Yep. Stay on straight. Left hand like this. Good. Squeeze. Look through.
Wow. Eh, sensation, elle est... What? Eh, ici, de derrière, on a un souffle. Oh, the first shot was That's how we do it in America. Yes. Ah, la première balle, c'est... Elle te fait peur. Ouh, ok, ça c'est la M4. Ça, tu nous prends Mathis là? Now hold it! The nerves are gone. Je suis mort. C'est pas mal. Thank you. Ton épaule, tu sens pas? Je tire en rafale. C'est impossible. Nous, de derrière, on sent une grosse vague. C'est impossible de cadrer. Moi, je sens des impulsions. Ah oui, j'ai géré, là. Quand tu tires plus que 3 balles, c'est impossible de viser. Tu comprends rien à ta vie. T'es comme ça. Ouais, ça bouge tant. Oh. Alors là, mon pote. Alors là, les gars, fatigue d'épaule, vraiment. Là, mon gars, ça va être costaud. Aim with the red. Aim that red dot right at your target. Hey. Incroyable. T'as la faute. Elle est magnifique, gros. Le premier tir est incroyable. Alors, après, c'est mignon. Ça, j'ai bien visé, non? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Un peu en bas à droite. Ah, c'est pas mal. Again. Je sais pas, gros. What? Ça tue un truc dans le corps. Viens, on fait ça. Allez, mets-lui dans les burnes, frère. Mets-lui dans les burnes. Ouais, de l'est. Hein? La mets où? Dans les burnes. Hey, set. The number five. You see the little man? Yeah. Look. Put that down. Look. Mets-le oh, là-dedans. En haut à gauche. Vas-y. En haut à gauche. Oh. Vas-y. Calme ta respiration. Allez, fais-le bien. Look la respiration. Dedans. Je sais pas. Si t'es dedans, je l'ai. Ouais. Ouais, je l'ai en caméra. Regarde, t'es dedans. Ouais, bien joué. Yeah. Cool. Bien joué, gros. Okay, so how did you take my breath away? Get a little closer and step by take my time, my money, my ease. Take it all from me till it ain't nothing left, okay? I got a brand new feeling. Take me up, need a brand new ceiling. Said you can't do, but man, you did it. Tryna live without you, like now you tripping. I love just how you come put it down. Come make heaven open up. Oh, guys. Bon, alors, Mathis, on monte la vue? C'est tout en haut de la strat, regardez-moi cette vue. Là, la stratosphère, et il y a pas d'activité qui peut faire au-dessus. Il y a un manège où tu tombes dans le vide quasiment. Il y a des mecs qui sautent de tout en haut. C'est un truc où tu peux sauter la corde. Et nous, on va faire la tour de l'enfer. Ça va partir, hein. On va la faire. Hein. Ouais, un peu. Oh là, c'est sombre. T'as un peu peur, Gauthier? Bah, comme toi. Il a pas vu encore. En fait, en haut, j'ai peur. Genre, la vue, je vais fermer les yeux. Je vais faire ça. Mais non, ferme pas les yeux. Mais non, c'est pour la vue. On va voir, hein. Je vais voir si j'aurai peur ou pas. Vas-y, viens voir. J'ai un droit, t'as déjà vu. On est à combien de mètres là d'altitude? Alors 909 feet. On n'affiche pas. On affiche pas en mètres. Attends, ça va partir, regarde. Oh putain. Oh merde. Oh non. Wesh. Wesh. Ça va. Du coup, il part en enfer. Oh merde. Ça va? Oh non, j'ai plus envie de le faire. Eh si, allez, t'es bon là, c'est bon. Il se chie dessus. Après, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. La taille du bazar. C'est impressionnant, c'est que les US, les îles, du moins Las Vegas, ils s'étalent énormément. Ça ne s'arrête jamais. Vous zoomez au loin, il y a toujours des trucs. Et s'il n'y a pas, c'est qu'il y a une montagne. Au moins, c'est carré. Regardez ça, waouh. Ah oui, quand même. Alors, ah, c'était trop bien. Incroyable. Ah, c'était incroyable. En fait, la montée, tu comprends rien, et la descente, elle est encore plus incroyable. Tu vois plus le sol. We'll be right back.
Ouais les gars, on est un petit match de hockey sur glace au States. Faut se filer, les gars. Avec le hot dog. Mathis, c'est combien explique un peu. 1-0, 1-0, on se fait mener là. On se fait mener, Nous on est chez les Knights. Regardez, nous on est là, notre équipe la Knights et on perd 1-0. Milwaukee, ils ont meilleur gardien. Allez, on espère qu'ils vont gagner. Jarod, ça va? Ouais. T'aimes bien l'Amérique? Incroyable. Incroyable. Jarod, c'est un Américain en fait. T'aimerais bien. Ouais. L'ambiance, c'est incroyable. Allez Mathis, une petite choré. Bon les gars. Les gars, il s'est passé une dinguerie. Jarod voit un ticket. En gros, c'est les. Attends, montre comme il est plié. On traverse la rue en courant. On traverse la rue en courant alors qu'il n'y a pas de passage piéton. Et là, on voit quoi? C'est plié. C'est comme pas ça. 0-0 voucher. Et en gros, 50 ça, balles. C'est les centimes. Et ah là. Non, c'est 500. Non, 50. 50. 50 balles. Les gars, ne jouez pas au jeu d'argent, c'est important. On marque l'histoire maintenant. On va les poser. On va gagner. On va les poser sur le verre. On va tout péter. x36. Si on sort 1800 balles, je sais pas ce qu'on fait, mais enfin, c'est cool. On s'amuse. C'est des petites sommes. Non. Ouais, c'est l'arnaque. Les gars, on est rentré de Las Vegas. On vient de rentrer en Belgique. Rien qui va. On n'a pas beaucoup dormi et c'est la tempête. C'est ça, regardez, il y a de la neige. Il y a combien d'épaisseur là? Je pense 5 cm. Ouais, là il y a 5. Mais au total aujourd'hui, il y en aura pour 20 ou 30 cm. On n'a jamais vu ça en Belgique. Du coup, on a poussé la voiture et vu qu'on a une propulsion, c'était le bordel. Elle a glissé. Du coup, on la laisse garer là sur un vieux parking et nous, toi, tu dois marcher une heure. Moi, j'ai 50 minutes de route. Et moi, 2 heures. J'ai 2 heures à pied pour rentrer. C'est ça, voilà. Super. On passe de Las Vegas, on était Gucci, hyper bien et tout, à 20 degrés. C'est ça, dans la merde. Voilà. Directement. Dans la neige. Sans dormir ni rien. Comme quoi la vie c'est pas toujours que des bons moments. Merci d'avoir suivi ce vlog. On se retrouve pour la prochaine fois. Allez, à plus.